ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. Kodo kera kleflaina atemena jona ngako mokado na dabla la nyonka nake na madabla moka bwa kalama mali ministri mimbe mali ani jiawere toni nyonche noye affaire étrangerie madame kamisa ni musodu abese ka journal do bora kleflaina ayek mafo mami yana ka fo Mbao blauka kamisa la me, akumakan chiebe journal kono, kamisa aya la me, miniti sabanga, abanto moins 50 secondes, odeka bo kumaina, aye kamisa la me, ninkera abe santuru nyo wana bo, yana kake, akake ministri ere marikono, aye kamisa la me. 3 minutes pour découvrir notre invité de la diaspora. Et pour la première fois, c'est une femme. Bonsoir, Kamisa Camara. Merci d'être avec nous. À 32 ans, vous êtes la directrice Afrique de Partner Globals, une ONG de Washington qui promeut la démocratie et la bonne gouvernance. Jusque-là, j'ai juste. Vous êtes également, Kamisa, née à Grenoble, une ville que nous avons en commun. Et depuis, vous donnez l'impression de sauter sans difficulté d'un projet à un autre. Peut-être normal pour une ancienne athlète. Kanye Ibokane, master en France, puis les États-Unis, le pays de votre déploiement. Votre slogan, créer des ponts entre l'Afrique et le reste du monde. Vous voulez faire ce que vous êtes en somme. Exactement. Alors, quel a été l'élément déclencheur de votre carrière, Kamisa? Alors, je dirais que quand j'ai fini mon master, c'est là que j'ai très vite réalisé que mon avenir ne se réalisait pas en France et que j'aurais plus d'opportunités si je déménageais aux États-Unis, qui était un pays que j'avais côtoyé les années précédentes. Alors j'aimerais vous donner un tout petit exemple, c'est une histoire que j'aime beaucoup, qui est très jolie, de votre prof qui avait des idées sur votre avenir, mais vous en aviez d'autres. Tout à fait. Alors quand j'étais en classe de licence, donc je devais faire un stage qui devait confirmer ou valider ma licence. Et j'ai un prof qui m'a dit, bah, écoutez, vous êtes très jolie, pourquoi ne pas servir des croissants dans l'Eurostar et en plus vous parlez anglais. Donc, c'est utile. Exactement, exactement. Et j'ai décidé là donc que je ne servirai pas de croissants dans l'Eurostar. Et vous allez déporter votre geôlier ailleurs. Exactement, et à Washington ici, aux États-Unis. Et à l'ONU. Et à l'ONU. Donc j'ai fait mon stage de licence ici à Washington. Donc c'est le constat qu'en France, le bassin était trop étroit pour vous, qui vous a... fait vous dire, allez, ce sera ailleurs. Je n'ai peut-être pas rencontré les bonnes personnes. Allez, disons-le comme ça, un peu de diplomatie. Qu'est-ce qui, en vous, professionnellement parlant, relève de votre formation malienne, puisque vous êtes né de parents maliens, de votre formation française, qui a été plutôt scolaire, et de votre formation américaine, qui est professionnelle? Alors, donc, comme vous l'avez dit, j'ai été élevée par des parents maliens, donc je dirais que mes valeurs intrinsèques, personnelles, sont purement maliennes. Donc j'ai eu une formation académique en France, donc je suis très française dans ma manière d'écrire, dans ma manière de m'exprimer. Et le côté américain, c'était vraiment, voilà, the sky is the limit, tout est possible. Donc je pense que c'est ce que j'ai retenu de mon expérience américaine. Et la preuve, à 32 ans, vous êtes la directrice Afrique de Partner Globals, ce qui est quand même assez rare d'avoir un poste aussi... important à responsabilité, et puis nous ne sommes pas les seuls à vous apprécier puisque vous intervenez régulièrement sur CNN, sur Al Jazeera. Tout à fait, tout à fait. Alors, où vous voyez-vous d'ici 10 ans comme ça? Question difficile à répondre, beaucoup de choses peuvent se passer en 10 ans. Donc, Inch'Allah, dans 10 ans, je serai peut-être au Mali en train de travailler à la reconstruction de mon pays. Question subsidiaire, comment dit-on démocratie en Bambara? Ah, bonne question, je ne sais pas. Kamisa Camara, merci infiniment d'être venu. Banto, question subsidiaire, comment on dit démocratie en Bambara à Kokatabo? Comme ça, t'es bon en Musa ko abange bawo ye maliyaw ye. A ko santan
ni ben ale o be ala bolo a be se ka kɛ ale be segin ka na mali dɛmɛ a balimaw dɛmɛ a balima a bangebagaw ka dugukolo n'ale yɛrɛ ye maliyɛn ye ka mali dɛmɛ an be dingɛ min kɔnɔ an ka bɔ kɔnɔ a ko a bangebagaw ka bɔ mali la ale yɛrɛ ye kalan min kɛ o kɛra faransi kalancogo ye nka baarakɛcogo min diyara ye o ye amerikɛnw ka baarakɛcogo ye ONG nin bɛ kɛ kuma min o y'a sɔrɔ ONG dɔ bɛ Etats-Unis olu ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ farafinna ma o ɲɛmɔgɔ kɛra ye directrice Afrique Global a ko k'a tɛ démocratie kɔrɔ dɔn bamanankan na a tɛ bamanankan mɛn journal min bɔra ABC fɛ tile fila in na a ko Kamisa ministère des affaires étrangères ɲɛmɔgɔ k'a ye décision ta ko bamanankan kana fɔ bilen affaires étrangères la fɔlɔ filanan diinɛ si tamasiyɛn kana ye i la baarakɛyɔrɔ n'i ye silamɛcɛ ye kɔlɔsi kana y'i bolo kala kana y'i kan na n'i ye muso ye i kun kana biri kuma bɛ k'i bɛ ijabu don n'i ye kerecɛn ye siɲɛ tamasiyɛn o tamasiyɛn b'a yira k'i bɛ diinɛ la o tamasiyɛn o kana ye sabanan ko seli kɛ wagati seli kana kɛ baarakɛyɔrɔ la ye soit i bɛ baara bila oubien i b'i jɔ ni baara jiginna i bɛ taa seli so ko nka seli kana kɛ bilen affaire étrangère la naaninan whisky ani bulon o bɛ frigo kɔnɔ ye tubabu kunna minnu bɛ na olu nɛgɛ u ka di u ma décision an bɛ dugawu kɛ ala k'a to a kana taa ɲɛ n'a b'u kɔnɔ u k'a bila n'a tɛ yen ni kibaruya bɛɛ carilen filɛ Kamisa a ka furusiri kɛra a ma mɛn a tɛ kalo fila bɔ ministre des affaires étrangères bamanankan kana fɔ diinɛ siya tamasiyɛn kana ye hijabu kana don kɔlɔsi kana minɛ i bolo seli wagati seli kana kɛ biro kɔnɔ ye bilen seli tapi kana don tasale kana ye kura kana ye foyi tɛ kɛ nin de tun do an ye kibaruya bila yan an y'ABC wele il confirme a bɔra n'a ka journal kɔnɔ a carilen bɛ yɔrɔ bɛɛ.